Bienvenue à tous, voici les titres de ce jeudi 13 octobre. 30 mm de pluie sont tombés en quelques heures sur la province de Khnifra. Nous irons du côté de Mrivt, frappée la nuit dernière par des inondations. Cette localité a été particulièrement touchée par l'épisode orageux. Soutenir l'Ukraine coûte que coûte. En pleine guerre, l'OTAN déploie sa nouvelle stratégie. Les ministres de la Défense des 30 pays de l'Alliance Atlantique veulent livrer plus d'armes et dans le même temps accélérer la surveillance des infrastructures essentielles. Nous nous intéresserons ce soir à la sécurité alimentaire en Afrique, un défi au cœur du Forum africain de financement des engrais qui s'est tenu à Casablanca. Quelles sont ses conclusions? La coordinatrice du mécanisme africain de financement sur cette question, Marie-Claire Kalyangabo, nous donnera tous les détails. Cap sur la culture à la fin de cette édition en compagnie de Samia Harissi. Son journal des arts offre un tour d'horizon de l'actualité culturelle. Elle nous fera découvrir la toute première édition du festival La Dolce Vita à Mogador, dédié à l'art cinématographique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais à l'instant, 30 mm de précipitations auront suffi à faire sortir Loued Tirza de son lit. L'épisode orageux a fait gonfler les cours d'eau. Plusieurs habitations ont été submergées. Par miracle, il n'y a aucun mort. Ce soir, l'heure est à la décrue. Voyez ce reportage tourné à Mrilt d'Oussama Oufkir al-Din Lahmini, le récit de Sarah Jabri. Pendant presque toute la matinée, Hamou Lokman a tenté de dégager à l'appel la boue ayant envahi son quartier. Les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur Mrilt n'ont pas été sans conséquence. Une eau boueuse nous a submergés, c'est arrivé soudainement et nous étions pris au dépourvu. Tous nos meubles sont trempés, nous n'avons rien pu faire sur le moment. La crue a été brutale. Hier, entre 15h et 17h, une pluie dense poussée par de violentes rafales de vent a provoqué des crues de Loued Tirza. Le cours d'eau a débordé et une vingtaine d'habitations a été endommagée. Les autorités sont aussitôt intervenues pour limiter les dégâts. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Bien que Loued a été réaménagé, mais les averses orageuses ont été particulièrement violentes. Nous attendions les pluies avec impatience. Dieu merci, les dégâts ne sont que matériels et les autorités se sont mobilisées à temps. Une cellule de veille a été mise en place, réunissant plusieurs intervenants, des autorités locales aux agents de la protection civile. La population locale nous a également prêté main forte et tous les moyens logistiques nécessaires ont été mobilisés. Sur le terrain, les efforts se poursuivent pour débarrasser les maisons et les rues. A noter que 5 millions de dirhams ont été auparavant mobilisés pour la protection de la ville de Mrilt contre les inondations. La deuxième tranche du projet sera bientôt entamée. Les pluies diluviennes ont également inondé la ville de Romani. Elles sont à l'origine de plusieurs dégâts matériels. Heureusement, ce soir, l'épisode orageux qui a traversé la région est terminé. Le reportage de nos équipes sur place, le récit est de Jaziel Hamari. Dans cette chambre, c'est tout ce qu'il reste à cette famille. Dans la nuit, des pluies diluviennes ont littéralement inondé la ville de Romani près de Khmisset. Des dégâts matériels considérables après une nuit mouvementée. Au petit matin, ils étaient nombreux à constater les pertes. J'ai vraiment tout perdu chez moi, mes meubles, mes vêtements. Ce sont les voisins qui nous ont aidés à sortir et ont sauvé mes enfants alors que l'on criait, on pleurait. Les secours ont fait de leur mieux. Hier soir, vers 21h, les orages ont grondé et la pluie a commencé à tomber. La crue s'est déclenchée depuis les montagnes. C'était vraiment impressionnant et ça faisait vraiment peur. Des précipitations qui devaient être bienfaitrices pour le monde agricole qui était très attendu malgré la surprise. Les autorités locales et la société civile étaient cet après-midi toujours à pied d'œuvre pour aider les habitants à évacuer les eaux et la boue. Une météo plus clémente sera au rendez-vous dès demain matin. Toujours au Maroc, ce chiffre dévoilé par les gardes-côtes de la marine royale opérant en Méditerranée et en Atlantique, 182 candidats à la migration irrégulière, majoritairement des subsahariens dont des femmes et des enfants, ont été secourus depuis le début de la semaine.
Dans l'actualité internationale, le Parlement irakien a finalement réussi à trancher lors d'un vote très attendu et incertain. Abdellatif Rachid, 78 ans, a été élu président de la République. Une élection sur fond de tension. 9 roquettes se sont abattues à proximité du Parlement. Les précisions d'Amina Ben Khalak. Retour au calme dans la zone verte de Bagdad après les tirs de roquettes qui ont fait 10 blessés. L'un des 9 projectiles est tombé près de l'Assemblée. Ces tirs, qui n'ont pas été revendiqués, sont intervenus au moment où le Parlement se réunissait pour élire le nouveau président irakien. Il s'agit de l'homme politique kurde Abdellatif Rachid. L'ingénieur de 78 ans est issu de l'Union patriotique du Kurdistan. Il a remporté le second tour avec plus de 160 voix face au président sortant Brahim Saleh. Même s'il avait 15 jours pour désigner le nouveau premier ministre, Abdellatif Rachid a choisi de ne pas perdre de temps en nommant immédiatement Mohamed Shia al-Soudani. Le politicien de 52 ans, issu de la communauté chiite majoritaire en Irak, a désormais 30 jours pour former un gouvernement et mettre fin à une crise politique majeure illustrée par les derniers tirs de roquettes dans la capitale irakienne. Direction l'Italie, à présent, moins d'un mois après l'annonce des élections générales anticipées, le Parlement italien s'est réuni pour la première fois aujourd'hui. La majorité qui réunit Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite arrivé en tête, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi est toujours en négociation. En coulisses, les discussions sont tendues pour se partager les portefeuilles ministériels. Le récit de Yassine Azaz. Le Parlement italien, issu des législations institutionnelles que ce dernier doit mener avant de désigner un nouveau chef de gouvernement. Ces scrutins à bulletin secret seront une sorte de premier test dans un contexte tendu. En France, cela fait 3 semaines que les salariés de 5 raffineries sur 7 sont en grève pour réclamer de meilleurs salaires. Un arrêt entraînant des pénuries de carburant dans tout le pays. Un tiers des stations-service sont affectées par ce mouvement. Les salariés de Total ont d'ores et déjà annoncé que la grève serait reconduite. Le président français Emmanuel Macron, qui prévoit un retour à la normale dans le courant de la semaine, appelle la direction de Total Énergie à la responsabilité. L'armée russe poursuit ses bombardements sur les villes ukrainiennes. Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis. Ils assurent leur soutien à l'Ukraine. Au même instant, le président russe Vladimir Poutine continue à manier l'arme énergétique face aux pays européens. Les détails avec Yassine Azaz. L'Ukraine continue d'engranger l'aide militaire de ses alliés occidentaux pour sa défense face aux frappes russes qui se poursuivent. Le ministre des armées français Sébastien Lecornu a rencontré ce jeudi à l'OTAN son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov pour un entretien consacré à l'évaluation des besoins des forces armées ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a lui insisté sur les besoins en matière de défense antiaérienne. Je vous demande à tous les niveaux de défendre la dotation de l'Ukraine en systèmes modernes de défense antiaérienne et antimissiles en nombre suffisant. Cette année déjà, nous devons protéger notre ciel de la menace russe. Vladimir Poutine, qui s'est exprimé à l'occasion de la session plénière du Forum russe sur l'énergie, a de son côté insisté sur la crise énergétique que traverse l'Europe. Pour lui, la responsabilité incombe directement aux dirigeants européens et à leur politique de sanctions contre Moscou. Les Européens ordinaires souffrent. Leurs factures d'électricité et de gaz ont plus que triplé en un an. La population, comme au Moyen-Âge, commence à faire des réserves de bois de chauffage pour l'hiver. Est-ce la faute de la Russie? Ils essayent constamment de rejeter leurs propres erreurs sur nous. Dans le Donbass, sur la ligne de front près de Donetsk, les échanges de tirs se poursuivent entre les deux armées. Du côté ukrainien, les soldats fortifient leur position pour empêcher l'avancée des troupes russes. Malgré plusieurs victoires sur le terrain depuis quelques semaines, ils continuent de manquer d'artillerie et de munitions. C'est l'une des conséquences de cette guerre, la sécurité alimentaire sur le continent. L'objectif d'utiliser 50 kg d'engrais par hectare est loin d'être atteint. Ce défi est au cœur de la 3e édition du Forum africain de financement des engrais qui s'est tenu à Casablanca. L'OCP promet de livrer des engrais à plus de 44 millions d'agriculteurs dans 35 pays du continent, car malgré un énorme potentiel agricole, un hectare produit en moyenne 3 fois moins de calories sur le continent qu'en Europe.
Et à ce propos, avec moi sur le plateau, Marie-Claire Kaliangabo. Marie-Claire, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice. Alors, les travaux du forum ont duré 2 jours. Quelles sont les conclusions qui ont été tirées ? Bonsoir, merci beaucoup. En fait, à l'issue de ce forum, il y a eu un carnet de route qui a été tracé pour pouvoir assurer la disponibilité des engrais aux producteurs agricoles et au meilleur prix. Et donc, des conditions doivent être mises en place pour d'abord créer un environnement qui permet l'utilisation des engrais en favorisant les initiatives, mais aussi en créant des synergies entre ces initiatives qui sont mises en place. Deuxièmement, mettre à l'échelle les nouveaux instruments de financement des engrais. Et troisièmement, à mettre en place des nouveaux mécanismes pour l'accès à tous les intrants, aux fermiers, et pour aussi pouvoir disponibiliser des technologies pour un rendement maximal. Alors, il y a le défi alimentaire, il y a également le défi démographique. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes dans une course contre la montre ? Absolument, parce qu'aujourd'hui, si je donne quelques chiffres, d'ici 2050, la population de l'Afrique subsaharienne va doubler. C'est quand même assez grand. Et aussi, il y a aujourd'hui un déficit de 30 millions de tonnes de maïs, de blé et de cajou. Et aussi, il y a un déficit aussi aujourd'hui de 4 millions de tonnes d'engrais pour les saisons 2022-2023. Ça, c'est inquiétant. Alors justement, l'objectif d'utiliser 50 kg d'engrais par hectare n'a toujours pas été atteint, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 120 kg. Comment y parvenir dans les années à venir, sachant que les prix ont triplé depuis ? Oui, les prix ont triplé, mais aussi il y a des opportunités. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique elle-même possède 65% des terres arables non cultivées. Donc, il faut profiter de cette opportunité. Mais aussi, l'Afrique possède des ressources naturelles qu'il faut exploiter. L'Afrique peut produire ses engrais elle-même, mais aussi produire sa production alimentaire. Aujourd'hui, l'Afrique, l'utilisation des engrais est à 26 kg par hectare. Et l'objectif qui était fixé pour 2015 était 50. On est loin du compte. Mais si on travaille ensemble et qu'on puisse avoir ces nouvelles technologies, cette initiative, je vais d'ailleurs parler de l'initiative de la Banque africaine de développement, qui est le programme de production alimentaire d'urgence qu'elle a mis en place de 1,5 milliard de dollars pour pouvoir faciliter l'accès aux intrants aux pays africains et pour aussi assurer cette sécurité alimentaire. Justement, sur cette question, est-ce que la solidarité est nécessaire ? Absolument, elle est nécessaire parce qu'aucun pays n'est autosuffisante. Donc, c'est pour ça que même la Banque africaine de développement, à travers ses investissements publics et privés, essaye d'aider les pays africains à produire la nourriture pour l'Afrique dans son programme, sa stratégie Nourrir l'Afrique. Et avec cette initiative-là, la Banque africaine de développement collabore avec le secteur public, le secteur privé, en Afrique et ailleurs. Par ailleurs, le programme d'urgence de 1,5 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars est financé par la BAD et les 300 millions financés par les bailleurs de fonds et les autres partenaires de développement. Marie-Claire Kaliangabo, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous présente, vous êtes la coordinatrice du mécanisme africain de financement de développement des engrais. Je ne l'avais pas fait à votre arrivée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Autre défi, et pas des moindres, qui concerne le continent, les aléas climatiques. La sécheresse frappe de plein fouet la campagne agricole. Voyez dans ce reportage l'exemple d'un agriculteur en difficulté du côté d'El Jadida. Il a perdu plus de 70% de ses rendements de tomates. Le reportage est signé Soumia Douhaimi. Le commentaire, Karim Al-Aouli.
Malgré les récentes précipitations qui se sont abattues sur le royaume, l'accès à l'or bleu reste une réelle problématique dans certaines zones rurales. Sans lui, rien ne pousse et rien ne vit. Dans la commune de Moulay Abdallah El Jadida, l'absence de l'eau touche drastiquement les récoltes des agriculteurs. Nous avons pu sauver 20 à 25% de notre récolte. C'est à cause de la pénurie d'eau. Les puits commencent à se tarir et c'est compliqué d'obtenir des autorisations pour procéder à de nouveaux forages. Afin d'éviter une situation précaire, le ministère de l'Agriculture doit revoir les mesures préventives envers les petits producteurs. À cause du changement climatique, l'eau devient plus rare et moins salubre. Et face à l'urgence, le royaume a triplé ses surfaces irriguées. Dans une gestion de risque anticipée, plusieurs stations de dessalement d'eau de mer sont en cours de construction. Mais en attendant, certains agriculteurs appellent à développer d'autres moyens. L'utilisation des panneaux solaires est bénéfique. Elle facilite le travail des agriculteurs dans la mesure où elle engendre des coûts moins importants. Au-delà des facteurs environnementaux, la forte demande en eau et la surexploitation des nappes phréatiques contribuent à faire pression sur les ressources hydriques. Une situation critique qui nous oblige à réagir en rationnant la consommation de ces denrées vitales et essentielles. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Ce chiffre révélé aujourd'hui par le HCP, sous les effets du Covid-19 et de l'inflation, plus de 3 millions de Marocains ont basculé vers la pauvreté et la vulnérabilité en 2019. Entre 2019 et 2020, la consommation alimentaire des ménages recule également de 11%. Coup de projecteur ce soir sur le nouveau data center de dernière technologie informatique. Cet équipement, inauguré par le ministre de l'Éducation, Chakib Ben Moussa, permettra d'améliorer les services du système d'information Massar dédié à l'enseignement secondaire. Mais avant cela, cette annonce destinée à faciliter les démarches administratives des fonctionnaires. Plus besoin pour les assurés affiliés à la CNOPS de se déplacer pour effectuer une déclaration, mais pas seulement. Le nouveau site internet permet la dématérialisation de plusieurs services, parmi lesquels la mise à jour à distance des données personnelles, l'obtention d'une attestation électronique, la régularisation à distance des cotisations, l'accord de prise en charge ou encore consulter tout autre traitement de dossier. $3,2 million, c'est le nombre de personnes qui ont basculé dans la pauvreté ou la vulnérabilité depuis la pandémie de Covid-19. Les dépenses alimentaires ont reculé en moyenne de 11% par personne. Jaziel Hammari nous révèle dans le détail les autres données de cette note du Haut Commissariat au Plan intitulée « Évolution des inégalités sociales dans un contexte marqué par les effets du Covid et de la hausse des prix ». Covid-19, inflation, conflit russo-ukrainien, les causes ne manquent pas pour expliquer comment les inégalités sociales se sont accentuées ces derniers mois au Maroc. Dans une étude détaillée, le Haut Commissariat au Plan revient sur les conséquences de la pandémie avant d'évoquer les suites de l'inflation et de conclure sur les effets combinés de ces épisodes. L'impact s'est surtout fait ressentir au niveau rural et sur les classes les plus pauvres. Dans ce sens, ils sont plus de 3 millions de Marocains supplémentaires à avoir basculé dans la pauvreté ou la vulnérabilité. Dans le détail, 1,15 million de personnes sont concernées par la pauvreté, tandis que plus de 2 millions font désormais partie des plus vulnérables. Sous les effets de la crise sanitaire, le niveau de vie des ménages a régressé de 2,2% par an depuis 2019, sachant que les plus affectés sont les ouvriers, les commerçants ainsi que les exploitants agricoles. De janvier à juillet 2022, l'inflation a creusé l'écart, faisant de l'augmentation des prix à la consommation un frein pour les ménages les moins aisés. Pandémie plus inflation égale baisse du niveau de vie par personne au niveau national. Il est passé de plus de 20 000 dirhams annuellement à moins de 19 000 dirhams. Pour les plus pauvres, c'est une baisse de 8% qui a été enregistrée et de 7,5% pour les foyers les plus aisés. Quant aux dépenses alimentaires, elles auraient reculé de 11% par personne à l'échelle nationale. Pour le HCP, les causes s'expliquent pratiquement d'égal à égal, à la fois par la crise du coronavirus, mais aussi par l'inflation arrivée tout de suite après la pandémie.
Autre chiffre, celui d'un investissement. 14 millions de dirhams ont été nécessaires pour financer un tout nouveau data center de dernière technologie informatique. Cet équipement, inauguré par le ministre de l'Éducation, Chakib Ben Moussa, permettra d'améliorer les services du système d'information Massar dédié à l'enseignement secondaire. Reportage Nadia Ouhta, Adil UTT. 14 millions de dirhams ont été nécessaires pour renforcer le système d'information Massar, une somme investie notamment en équipement ici à Rabat dans le data center principal du département de l'éducation nationale, tout comme à Marrakech qui abrite un data center de backup, des machines qui concentrent un nombre important de solutions informatiques qui soutiennent entre autres la majorité des projets de réforme du ministère de tutelle. Le but est d'améliorer la qualité des services déjà existants, de suivre les parcours scolaires des élèves et d'optimiser l'utilisation de ces données à l'échelle régionale et nationale. Donc Massar, pour nous vraiment c'est un garant et c'est un grand levier d'accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de route, de pouvoir accéder aux données à temps et d'une façon sécurisée. Et les données sont accessibles aux élèves, à leurs enseignants, aux directeurs des établissements et bien sûr à tout le leadership et le management du ministère. Le projet d'extension entre dans le cadre du programme de coopération Compact 2, conclu entre le Maroc et les États-Unis par le biais de l'agence Millennium Challenge Account Morocco. L'appui américain contribue à assurer une gestion efficace et efficiente de tous les aspects relatifs au système éducatif national. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le gouvernement marocain qui date depuis le premier compact. Maintenant, nous sommes dans le deuxième et le deuxième compact a investi dans les secteurs d'éducation et de foncier. C'est un fort partenariat qui a eu énormément de succès. Le développement des data centers de Rabat et de Marrakech intervient pour accélérer la réforme de l'éducation nationale, une solution à même de mutualiser les ressources informatiques et l'expertise demandée au niveau national. Place à présent à la culture et au journal des arts. Samia Halissi s'intéresse ce soir à la toute première édition du festival La Dolce Vita à Mogador. À l'origine de cette toute nouvelle manifestation dédiée à l'art cinématographique, l'association Essaouira Mogador et l'ambassade d'Italie. Samia qui nous a rejoint sur le plateau. Samia, bonsoir. Bonsoir Salima. Alors vous nous présentez ce soir un nouveau venu sur la scène du 7e art et qui se poursuit jusqu'au 15 octobre à Essaouira. Alors c'est un festival, Salima, qui est né d'une passion, mais aussi d'un constat. À Essaouira, il n'y avait plus de cinéma depuis 23 ans. Et donc, Dolce Vita Mogador, ce nouveau rendez-vous cinématographique, ouvre une nouvelle lucarne culturelle sur le 7e art, et qui devrait d'ailleurs aboutir à l'ouverture d'un cinéma dans la ville des arts. Et pour donner encore plus envie aux cinéphiles de venir voir des films italiens, on a donné carte blanche à Sergio Gobbi, réalisateur, scénariste, producteur, qui a côtoyé les plus grands cinéastes de l'époque de la Dolce Vita, justement. Ses critères de choix se sont justement fixés sur ses liens d'amitié avec certains réalisateurs comme Fellini, Tornatore. Dans le programme, il y a donc de grands classiques comme Rome, Ville ouverte, parce qu'il a été l'assistant de Rossellini dans ce film. La Dolce Vita, bien entendu, parce qu'il a fait tourner Mastroianni. Bref, Sergio Gobbi, c'est la véritable mémoire du cinéma mondial et italien. Le festival a organisé ce matin une projection pour les jeunes lycéens de la ville des Vents. Ils ont pu découvrir un chef-d'œuvre du 7e art, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, une véritable leçon de cinéma, un film qui apporte la preuve, s'il en faut, que le cinéma peut changer la vie, celle d'abord des habitants d'un village en Sicile qui sont confrontés tout d'abord à un véritable choc culturel en regardant des films, et particulièrement celle de Toto, petit garçon, qui s'initie au 7e art grâce au projectionniste du cinéma Paradiso et qui deviendra un jour cinéaste grâce à cette passion. Hai capito da che parte la gelatina? C'è un bellissimo sapore. Sì. Fai finta di darmi ragione, appena mi giro fai come ti pare. Toto! Ora unico puro che sia.
Un choix opéré par Sergio Gobbi pour faire vivre justement à ces jeunes qui ont vu le film ce matin, la magie du cinéma. On l'écoute. Cinéma Paradiso, c'est la naissance un peu justement des cinémas dans les villages, un peu le début du cinéma, l'amour de cet enfant qui après est devenu un acteur, etc., pour le cinéma, les rapports entre l'admiration que ce môme avait pour cette personne qui projette les films. Et ça m'a semblé que c'était des arguments, que c'était des possibilités pour les jeunes, enfin les jeunes je crois qui vont avoir entre 16 et 18 ans, de s'intéresser au cinéma. Alors Samia, le surréalisme a eu un impact certain sur l'univers du design, c'est ce qu'on peut voir dans cette nouvelle exposition qui se tient actuellement au Design Museum de Londres. Alors, Objet du désir, c'est le titre de cette exposition. Salima, on y retrouve des objets mythiques réalisés par Salvador Dali. Et certains de ces objets créés dans les années 30, 40 et 50 n'ont été exposés et compris que récemment. Alors, Objet du désir, c'est aussi 350 objets qui sont exposés, parmi lesquels des peintures, sculptures, photos ou encore des vêtements, des objets prêtés par des collectionneurs et des institutions. L'exposition explore d'abord la période des années 20, les débuts du surréalisme, au moment où le design a joué un rôle clé dans l'évolution du mouvement. L'événement s'ouvre demain au public et se poursuit jusqu'au 19 février de l'année prochaine au Design Museum de Londres. On y découvre des objets cultes du mouvement surréaliste comme ce sofa qui représente la bouche de l'actrice Mae West ou encore le téléphone combiné en forme de langouste. Des objets symboliques des années 40, puisqu'à partir des années 40, en revanche, ce seront les designers qui puiseront leur inspiration dans l'art surréaliste pour concevoir ce genre d'objets surprenants et humoristiques. Un tiers des objets exposés a été réalisé au cours des 50 dernières années et on réalise que ce mouvement surréaliste, qui a d'abord touché la peinture et la littérature, s'est ensuite installé dans le design. Et certains de ces objets créés dans les années 30, 40 et 50 n'ont été exposés et compris que récemment. Et Samia, quels sont les rendez-vous culturels à ne surtout pas rater? On commence, Salima, en rythme et en musique avec les rencontres chorégraphiques de Casablanca qui se poursuivent jusqu'au 16 octobre dans divers lieux de la ville. Le 15 octobre, c'est la journée de la caricature au centre américain de Casablanca. Le festival marocain de la musique andalouse, c'est du 19 au 22 octobre à Rabat et Casablanca. L'exposition Tsakab Boulet met en scène les artistes photographes Adnan Hkoun et Aziz Saoud à la galerie Bertucci de Chefchaouen. Ne ratez pas les concerts des Jubans Touja et de la nouvelle scène marocaine à la Villa des Arts de Casablanca le 21 octobre. Du 22 octobre au 29 à Fès, le festival de la culture soufie, c'est le festival de la culture soufie. Et enfin, vous pourrez poser votre regard sur la création féminine dans l'exposition L'illustration avant-gardiste à l'Institut Cervantes de Casablanca du 20 octobre au 30 novembre, Salima. Merci beaucoup Samia et on vous retrouve la semaine prochaine pour votre prochaine chronique dédiée à la culture. On termine cette édition avec cette magnifique découverte, celle d'une mosaïque d'époque romaine vieille de 1600 ans. Elle a été découverte dans la ville de Rastan, dans la province de Homs. Elle serait l'une des plus rares et plus complètes du pays, selon les autorités syriennes. D'après le directeur des fouilles, cette mosaïque représente une scène rare puisque les détails et les noms des rois grecs qui ont participé à la guerre de Troie apparaissent clairement. La partie découverte pour le moment mesure plus de 20 mètres de long et 6 de large. Les archéologues pourraient bien avoir de nouvelles surprises. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. 30 mm de précipitations auront suffi à faire sortir les cours d'eau de leur lit. Plusieurs habitations ont été submergées dans la région de Fès-Meknès. Bien que des dégâts matériels aient été enregistrés, les précipitations n'ont heureusement fait aucun mort.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur 2M et sur l'application My2M. Votre prochain rendez-vous avec l'info, El Messaïa de Zakaria Eit Ablamjid, El Dahira demain de Zahra Eit Ihel, Wadia Dada vous accompagnera ce week-end. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée.